Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit retour de course. On en a eu pour 93 €. J'ai juste oublié du riz à risotto, mais c'est pas grave. J'ai refait un drive juste pour du riz à risotto parce que je n'ai pas envie d'aller dans mon Leclerc. Il y a trop de monde l'après-midi, donc ça me gonfle. Donc j'irai chercher tout à l'heure à 18 h. C'est pas grave, donc il y aura du riz à risotto en plus. C'est vraiment quelques courses pour la fin de semaine. Il y avait des trucs qui me manquaient dans les placards, etc. Et j'ai des recettes en tête que vous verrez lors du vlog de lundi prochain. On va faire des recettes un peu spéciales Cookéo dans le vlog de la semaine prochaine. Bref, j'ai repris du sucre comme ceci parce que j'étais persuadée d'en avoir acheté l'autre fois et je ne le retrouve pas. J'ai repris des œufs, de la farine. J'ai repris deux bolognaises de la marque Repère. Elle est très très bien et j'aime bien en avoir d'avance et là je n'en avais plus du tout. J'ai repris de la maïzena, de la chapelure dorée. On peut la faire soi-même mais moi je la fais moi-même. Sauf qu'en fait je rajoute ça à ma chapelure. Sinon je mets un tout petit peu de ça, du pain que je mixe et des fois un petit peu de cornflakes avec. Ça donne un bon petit goût. J'ai pris de la crème entière parce qu'il y a une recette où il en faut un petit peu. Et comme ça, on a ce qu'il faut. J'ai pris un chorizo pour mon risotto. J'ai pris de la crème liquide comme ça. Je ne sais pas pourquoi puisque j'avais pris un litre. Mais c'est pas grave. J'ai repris du sucre glace. J'en avais plus du tout et il m'en faut pour une de mes recettes. J'ai pris des pépites de chocolat, j'en ai pris 5 paquets parce qu'on a fait une commande Coro, mais ils l'ont perdu en route. Donc le temps qu'ils me la renvoient, nous on en mange pas mal dans le matin, dans du fromage blanc, dans les banana bread, dans les pancakes que je peux faire. Donc comme ça on en a un petit peu. En congelé, je vais le mettre maintenant au congèle. J'ai pris de la viande hachée, j'ai pris 2 paquets parce que ça sert toujours pour faire des lasagnes, des pâtes bolognaises, ça sert dans plein de petites recettes, donc j'en ai refait, j'avais entendu un bruit, j'en ai repris. J'ai pris des petits beignets crevettes curry, voilà, parce qu'on a envie de se faire une soirée un peu chinoise. J'ai repris également ici 2 pots de fromage blanc 0% parce que ça on en mange énormément. J'ai repris 2 paquets d'Activia citron, pareil, moi ce sont mes yaourts préférés, j'adore et on n'arrête pas d'en manger. J'ai repris du poivre parce que si vous me suivez, chez moi le poivre ça part très très vite. Donc là j'ai pris des nems au poulet. J'ai pris 2 paquets de beignets crevettes. Ah non, là c'est des samoussa crevettes curry. Et là, ce sont des beignets de crevettes. Et j'ai pris un autre paquet de nems au poulet. On se fera une soirée comme ça. Et comme ça, il en restera pour le lendemain. J'ai pris 2 paquets également de escalopes. Donc ça, ça sera une recette que je vous ferai. Ce sont des... comment ça s'appelle? Cordon bleu maison. Donc, il me fallait ça. J'ai pris de la viande hachée fraîche. J'ai pris également des aiguillettes de poulet, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris, attendez, hop, je vous appuie dessus, une pâte brisée parce qu'on va tester un flan avec le Cookéo et l'extra crisp. Ça, c'était en promo, donc je pense que je vais le congeler. Le fromage à raclette, donc j'en ai pris 2 sans croûte et 1 nature poivre. C'était 3 achetés pour le prix de 2, donc ça valait le coup, mais je pense que je vais le congeler. J'ai pris un petit paquet de parmesan pour le risotto. J'ai repris du comté, c'est mon fromage préféré. J'ai pris un petit rôti de porc, Mathias il aime bien ça. Et je pense que je vais le faire moi-même avec peut-être du fromage à raclette et du bacon. Un petit rôti Orloff, on verra. Ici j'ai repris 2 litres entiers de lait entier frais. Il n'y avait plus pas frais, mais bon, en soi, c'est du lait entier. Donc, comme il m'en fallait, j'en ai repris. J'ai pris des citrons, pareil, pour faire un cake au citron à l'extra crisp.
La recette me donne trop envie. Je l'ai eu sur le livre que j'ai acheté sur Amazon. Vous savez, je vous en ai parlé lors du vlog de lundi dernier. C'est le livre spécial Cookie Dough Extra Crisp. Et ici, j'ai pris des bananes parce que on mange plutôt pas mal de bananes. Là, ce sont que des pommes de terre. J'ai pris des petites pommes de terre grenaille, des pommes de terre vapeur et des pommes de terre pour faire des frites. Donc, on ne mange pas tous les jours des pommes de terre, mais comme je faisais des courses et que j'avais plus du tout de pommes de terre, je me suis dit, je fais le plein, comme ça je n'ai pas à y retourner. Il me reste encore du poisson, pas mal de légumes aussi au congèle. On mange plutôt beaucoup de légumes, mais j'en ai énormément dans mon congèle en fait, des légumes, que ce soit légumes vapeur, du chou-fleur, du brocoli, etc. Donc j'en ai pas racheté, je préfère finir ce que j'ai. Et je pense que, pas ce mois-là, je pense pas, mais le mois prochain, je ferai un tour chez Picard et je ferai le plein encore chez Picard de légumes surgelés. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, je vous dis vraiment lors des vlogs où des fois je peux faire aussi des vidéos une journée dans mon assiette, ce qui est très rare, mais j'aimerais bien reprendre ça, ou une vidéo spéciale recette, etc. Parce que je vous montre pas mal de recettes. Là, dans le vlog de lundi, vous avez eu les eggs muffins, et dans le vlog de la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous faire plusieurs recettes à l'extra crisp, en espérant que j'ai ma motivation qui reste là. Bref, en tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.